est en direct de l'hôtel Mapouf. Elle vient de tester le resto. Elle a dit que c'était super bon. Maintenant, elle ne peut pas vous dire autre chose. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais tester le nouveau pop-up de Lena Situation. Donc, l'hôtel Mapouf. On va essayer de prendre un maximum de choses dans le restaurant. En tout cas, le lieu est incroyable, les amis. Vraiment, c'est ouf. Là, je suis sur une chaise de surveillance. Voilà. Donc écoutez, je me sens un peu reine puissante. Descendre sans catastrophe. Hop. Voilà. Ça me gêne un peu de faire moi ça. Moi aussi, j'aime pas. Un petit mot pour ma communauté, parce qu'ils sont quand même 19 000 aujourd'hui. Eh bien, écoutez, c'est magnifique, 19 000 personnes. Coucou, ouais. La communauté de Myriam Dayouri. Écoutez, on est en direct de l'hôtel Mapouf. Elle vient de tester le resto. Elle a dit que c'était super bon. Maintenant, elle ne peut pas vous dire autre chose. Voilà. Je suis obligée, j'ai plus le choix. Voilà. Merci beaucoup. Merci, parfait. Merci. Quand vous rentrez en fait dans le pop-up, vous avez la boutique juste là. Au milieu, vous avez la piscine, les transats, enfin le petit coin de chillax. Vous avez un petit peu de queue, mais ça va vite. Franchement, ça va vite. Donc en fait, tout autour de la piscine, vous avez des transats, mais c'est trop stylé, ouais, ça. Franchement, ouais, ça, c'était mon rêve quand j'étais enfant. Je voulais trop, tu sais, aller à la plage et avoir ça. Je me dis, je suis riche comme ça. Ah ouais, de fou. Là, vous avez des hamacs. Donc ici, il y a l'espace restauration. Et donc, le restaurant juste là. Là, il y a un bar. Ici, il y a un photomaton juste là. Des gamelles, quoi, pour les chiens. C'est cœur. Il y en a plein coeur partout. Des petits poufs pour se poser axe au max. Bonjour. Et c'est quoi comme produit? De l'hôtel Mapouf, on a les petits objets, porte-clés, briquets, okay, tout ça. L'huile bronzante, protection 30. Pour le corps, protection 50. Là, on a les baumes à lèvres, on a ananas, coco. Oh, il y a même les petits bébés qui sont là. Oh non, mais c'est trop mignon. Petit jeu. Tu connais ça, jeu? Non, c'est quoi? Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un jeu. Voilà. Visé au milieu, dans le fond. Un stand, mon stand favorite, parce que bah, c'est du sucré. Glace mochi, j'aime trop ça. En fait, il y a écrit Hôtel Mapouf en gros en haut et franchement, c'est canon. Petite visite de pop-up pour les personnes qui n'ont pas la chance de venir. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses du lieu déjà? Bah franchement, le lieu, il est sympa. Je dirais presque une ambiance vacances de fou. Et après, bah, on a attendu un peu et là, la queue, elle fait un peu peur, quoi. Et j'ai faim, j'ai la dalle. Vous arrivez, vous prenez un plateau. C'est comme si on était en self en fait. Ouais. C'est très bien pensé en fait là. Le restaurant, il est beaucoup plus grand. Il est plus chaleureux en fait. Je trouve que ça donne plus envie. C'est vraiment mood plage, Californie, ce qu'elle voulait donner en fait comme mood. C'est parti, on va tester la nourriture de l'hôtel Mapouf. On a pris l'avocat au toast, les frites de patates douces, le burger, des frites normales, les nuggets vegan, donuts de ces Boon Shaker. Ensuite, on a pris un thé glacé maison avec un latte cold brew. Vous savez que j'adore le café glacé. L'avocat au toast, je l'ai payé 6,90 jusqu'à ça. Plus ? Me dis pas que j'ai payé ça 13 balles. Je crois, ouais, 13 balles. 13 balles. Are you sure? Ok, donc 13 euros l'avocat au toast, il y en a un. Il est bien fourni quand même. Il est bien fourni, mais attends, je vais voir si l'avocat il est bon. L'avocat il est bon. C'est bon. Bon, vous avez de la tomate, un peu de vinaigre balsamique, de l'avocat écrasé, des petites tomates. Le pain est très dur, mais c'est fait exprès, c'est du pain de campagne. Goûte le burger vegan. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Bah franchement il est bon. Après je reconnais pas trop le goût de poulet. T'as pas le goût de poulet? Bah je sais pas, moi je reconnais pas le goût de poulet. Peut-être que pour un BG tu peux dire ah c'est du poulet, mais Ok. Mais franchement moi j'aime bien parce que j'aime bien les trucs simples et tout, donc ça me fait plaisir qu'il y ait pas de tomates et tout. Ça me régale. Moi je trouve que c'est pas mal. Juste franchement je trouve ça En fait, par rapport au burger de l'année dernière, j'étais un peu déçue parce que c'était vraiment bien fait les burgers de l'année dernière. Il y avait beaucoup de choses dans l'intérieur, c'était vraiment pas mal. Ensuite, les frites de patates douces, les gars. Hyper bonnes. Elles sont hyper bonnes. On a du thé glacé maison fruits rouges. Il n'est pas hyper sucré. Je sais pas, hein. Après j'ai pas l'habitude de boire du thé, mais c'est vrai que c'est pas du tout sucré, genre vraiment, t'as un petit arôme vite fait. Alors les nuggets, moi j'adore les nuggets vegan. Les nuggets vegan, je préfère tellement les nuggets de poulet, mais genre de poids mine. Ouais c'est bon, c'est le ketchup qui est pas ouf. Ah, la mayo est très bonne, mais pas le ketchup. Tu mets combien? Moi je mets 9. Est-ce que tu trouves que ça a le goût de poulet? Non. Sarah, elle est donc catégorique, quoi. Je vais goûter le ketchup. Moi, j'aime.
La mayo, elle fait grave mayo fait maison. Ouais, la mayo, elle est super bonne, mais ketchup, pas ouf. Mais je pense que le ketchup, il est fait maison. Hein. C'est pas le ketchup industriel, c'est fait maison. Pour ces nuggets, je mets 10 sur 10. J'adore, moi je suis fan. Les patates douces, je suis fan. Les frites, je suis fan. Les frites normales et les frites de patates douces, elles sont excellentes. Il reste ça à manger. Petite conclusion, c'est assez bon. Franchement, c'est très bon. Pour l'ensemble de la nourriture salée, dans ma note, il y aura le lieu, il y aura la gentillesse, il y aura la qualité des produits. C'est quand même quali, je trouve. C'est bien installé, c'est convivial, ça donne envie. T'as l'impression d'être ailleurs que Paris. Le lieu, je mets 10. La nourriture, je mets 8. Ça fait une moyenne de 9. Ça fait une moyenne de 9, mais je suis contente qu'il y ait des trucs vegan. Je suis tellement heureuse. Ça a tellement fait polémique parce que franchement, on peut manger végétarien, vegan et se régaler. Non, mais elle monte en pression toute seule, tu sais. Si on t'a en pression, tu sais. Non, parce que ça m'a trop énervée quand elle a sorti sa carte vegan. Genre vraiment la polémique. Ouais, pourquoi tu mets du vegan? T'es sûr de satisfaire tout le monde? Ouais, tu satisfais tout le monde. T'es sûr que tout le monde puisse manger? Ceux qui mangent pas de porc, ceux qui mangent pas de viande, halal, ceux qui mangent kasher. Bravo Léna. GG à toi. Moi je suis plus Team Seb. Hein. Ah, Seb la frite! C'est fini Seb la frite, on dit Seb maintenant. Ah, c'est juste Seb. Oh, sorry. Ouais, apparemment son contenu il est pas mal en ce moment à Seb. En vrai, il y a quand même pas mal d'avocats. Hein. Et ça te cale comme il faut en vrai. Donc, c'est bien dosé. Avant de partir sur le sucré, il faut que je parle du packaging quand même, des trucs. La boîte, elle est montée en qualité. Vraiment, c'est beaucoup plus rigide. En plus, maintenant, c'est un peu brillant. Et franchement, le design et tout, enfin, je trouve ça trop bien. Les petits détails, en fait, je trouve que c'est vraiment ce qui fait tout. Et sur les serviettes, mais ça, c'est... J'adore boire, manger et danser. Ça peut être ma devise un peu. Je mange et je fais ma danse de l'abonné, tu sais. Les petits détails sont incroyables, vraiment. Coûtons le donut de chez Bone Shaker, que j'avais déjà testé pour un réel. Le glaçage il est super bon. Après je sens pas le goût vanille mais c'est plus sucré. En fait vraiment le beignet, le donut il est tellement aérien. C'est une dinguerie. Je pense que c'est une dinguerie. Les donuts de chez Bone Shaker à Paris sont incroyables. Si vous venez à Paris, allez-y, c'est. Je suis sûre que tu vas pas aimer toi, c'est difficile. La pâte du beignet est grave bon, grave bonne. Mais le nappage j'aime pas trop. Pourquoi? Le goût? Ouais ça va mais c'est super sucré quoi. Ouais c'est très sucré par contre. Ouais, ça c'est vrai. Toi t'aurais fait un donut sucré au sucre pour ceux qui ont la rêve. Est-ce que tu vas préparer mon donut sucré au sucre? Le donut c'est super bon. Juste le nappage est peut-être un peu trop sucré quoi. Ça c'est vrai mais moi j'adore le sucre alors j'avoue. C'est un cold brew. C'est du caramel à l'intérieur. Ça s'appelle la gouvernante. Là j'ai pris un petit, tu peux le prendre en plus grand. Faut bien mélanger en fait. Quand tu prends que le caramel c'est écœurant. Ah bah oui, tu veux pas goûter ça s'il te plaît? Je déteste le café, je déteste le caramel dans les boissons. Ah, c'est pas si mal. Ça me fait penser à un yaourt. Allez, au donut caramel. Voilà. Mais non. Je te jure. Ça me fait penser à ça. Ou non. Éclair au café. Je vais en goûter, je vais en goûter. Ah, je trouve pas moi, tu vois. Je reconnais grave le goût du lait d'avoine en fait dedans. Mais en vrai, tout à l'heure, j'avoue, je l'ai critiqué trop vite. J'avais très très mal. Ah oui, ça se voyait que c'était pas remis. Ouais, j'ai pris direct en fait le sirop de Carl Burr. Bon bah les gars, moi je suis très très contente de ce donut. Regardez. Ça, franchement, il est moelleux et tout. Selon ma sœur, j'ai des yeux rares. Dans la file d'attente, elle me sort. Mais ça. Non, mais parce que. Je sais pas, j'avais vu une vidéo, je sais plus c'est quoi. Alors les gars, ok, 5% seulement des yeux noisettes. Ah ouais? C'est genre c'est plus rare que les yeux bleus. Mais non, 5% sont concernés par les yeux bleus et 5% par les noisettes. Et 2% les yeux verts. Mais arrête, c'est fou. Moi j'ai toujours voulu être rare en fait dans ce monde. I'm rare. Comment tu es rare? Rare. Non, rare, je crois que ça veut dire bizarre. Weird. Rare. I'm rare. Ah c'est rare. And common. Ok, visite guidée de la boutique, les amis. Vous avez les cabines d'essayage juste là. Ici, vous avez une big clé. Elle est longue? Non, elle est très légère. Moi, j'adore ça par contre. Ça, ce mur, c'est mon préf. Ouais. Mon préféré. Vous avez le pyjama, une jupe, un maillot de bain. Enfin, un haut maillot de bain. Ouais, il est bon, super bon. La combi, c'est trop ma préférée par contre. Ouais, ça va vraiment être. Moi, la combi, j'aimerais trop l'avoir, mais elle coûte cher. Elle coûte trop bien. Vraiment très très fan des jogging, un truc de fou. C'est... Vas-y, refais. Nous on doit se faire remarquer de toute façon partout, c'est obligé. Ah, si je devais choisir une couleur, ça serait celle-là forcément. Ouais, jaune. Franchement, aussi. Magnifique. Au teint, ça doit m'aller trop bien. 60€. J'adore. Je kiffe. Ça, c'est les goodies en fait. J'adore. Je kiffe. Ah ouais. Ah, le t-shirt stylé. Stylé de ouf.
35 le t-shirt. Et après, il est bien épais quand même. C'est mon préféré. Ah ouais, il est trop beau, j'adore la couleur. Trop. Vraiment, j'adore la couleur. Et combien coûte celui-là? 55. En vrai, c'est ok. Il est trop beau. Quand vous payez la réception, genre. On a un petit baby-foot ici. Pareil, je suis fan, mais fan hein, de ce pantalon. J'adore. J'aime vraiment moi, j'adore. C'est sympa. C'est un jeu de cartes. Ah ouais. Ah, je kiffe ça. Ouais, mais là, il coûte 9 euros. Mais là, il coûte 4 euros. Mais pas du tout. Bah, on regardera les rushs. Ah ouais. Mais d'accord. Oui. Ah ouais, d'accord. Ok. Alright. C'est du lait. 80 balles. Mais ça coûte cher les néons en vrai. Hein. Bah voilà, on a fait le tour pour vous les amis, parce qu'on va rien acheter, on est un peu pauvre, on n'a pas encore la situation pour dévaliser la boutique, mais... Avant de partir, on va tester la glace. Oh là là, c'est sympa comme plan ça. Super. Vas-y, choisis ta glace ma sœur, vas-y. On a pris la glace yaourt. Alors moi j'avoue, je suis pas hyper fan du yaourt de base. Mais allez, je me suis dit, on est là, on teste. Et donc, selon Léna, le coulis bonne maman chocolat, apparemment c'est le meilleur. Je peux goûter? Mmh. Mais bon. Tu sais, le goût yaourt un peu glacé, oh. Tu vois. Mmh. Mmh. Ça y est les amis, c'est la fin de ce pop-up. Sarah, petite conclusion. Franchement, c'était grave cool, j'ai bien mangé, c'était super sympa, l'ambiance était grave cool. Ouais. Et le père de Léna, trop gentil. Bébou. Vraiment un bébou. Voilà, moi aussi j'ai bien kiffé, franchement, trop stylé cet endroit. Ouais, franchement. Vraiment le meilleur des trois. Après, voilà, c'est normal, elle s'améliore et tout. Moi, j'ai pas été aux autres, mais... Ouais, c'est le meilleur, franchement. Il était pas mal. Tu te sens bien, pas jugé, c'est chill. Tu pourrais même venir travailler là, tu vois, genre pas de problème. Ouais, il y avait des gens qui travaillaient, qui avaient leur PC et ouais. Tout, tranquille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on a trop kiffé. C'est un trop bon moment. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner, les amis. Objectif 50 000 abonnés avant la fin de l'année. Bisous, love you.